Bonjour à toutes et à tous, et ici Cénandron pour l'épisode de présentation du jeu Torchlight 2. Torchlight 2, un hack and slash type Diablo-like, développé et édité par Runic Game, disponible sur le site de Runic ou sur Steam pour 19 € je crois, si je me souviens bien, donc une vingtaine d'euros. C'est la suite du premier Torchlight. Bon, j'ai pas fait la présentation, j'y ai pas joué non plus. Qui est aussi un hack and slash d'ailleurs, c'est développé par ceux qui ont fait, enfin certains de ceux qui ont développé Torchlight et Torchlight 2 sont des anciens de Diablo 1 et 2, donc des légendes dans la catégorie hack and slash. Alors un hack and slash, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous êtes un héros, souvent dans les RPG style Heroic Fantasy, vous êtes un héros, il y a plein de monstres qui vous foncent dessus, vous les défoncez tous et vous continuez d'avancer, tous en récoltant des équipements générés aléatoirement pour augmenter vos stats, votre niveau et ainsi avancer dans l'aventure. Voilà, c'est très basique, c'est très bourrin, c'est plutôt plaisant. Moi qui ai beaucoup joué, je dois avoir entre 200 et 300 heures déjà sur Diablo 3. Bon, c'est pas beaucoup par rapport à certaines personnes, mais c'est déjà pas mal. Moi qui ai beaucoup joué à Diablo 3, je trouve ça plutôt sympa de changer de hack and slash de temps en temps pour prendre quelque chose de plus coloré, peut-être moins sombre et beaucoup moins dark que Diablo 3. Mais il reste quand même très sympa. Bon, petit bémol, il n'est pas disponible en français, en traduction officielle j'entends. Mais si vous l'obtenez sur Steam, vous avez le workshop qui est offert avec, qui est lié avec lui. Et il y a bien des mods qui permettent de traduire en français, dont des mods qui sont très sympas, parce que Torchlight 2 en lui-même sans mod est objectivement, même pour ceux qui n'ont pas fait de hack and slash dans leur vie, il est très facile. Bon, pas très facile quand même, mais disons que si vous l'avez pas modé, il y a plusieurs niveaux de difficulté comme dans tous les hack and slash, et le mode de difficulté qui est le numéro 2, qui est normal, au-dessus du casual, il est franchement facile si vous n'avez pas de... Si vous avez... même si vous n'avez pas de... d'antécédents dans Hack'n Slash. L'histoire en elle-même est assez classique. C'est un méchant qui s'appelle l'alchimiste, qui est, je crois, un des héros de Torchlight 1, qui est possédé, si j'ai bien compris, et qui a détruit la ville, enfin, qui a tué des gens, donc il faut aller le poursuivre et l'arrêter avant qu'il ne fasse déferler sur le monde une horde de démons. Bon, comme d'habitude dans les hack and slash, l'histoire est pas très présente, surtout quand c'est en anglais et que moi j'ai pas très envie de lire les quêtes en anglais, ça me saoule plus qu'autre chose, je lis l'objectif et puis j'avance quoi. C'est peut-être le problème de jeu, c'est que la trame narrative est peut-être pas très présente. Après c'est un jeu extrêmement basé sur l'aléatoire, donc vous avez les items qui ont des caractéristiques générées aléatoirement, qui tombent aléatoirement. Bien sûr ils ont plusieurs niveaux de rareté, normal, rare, tout ça, jusqu'à légendaire, hein, qui, soit dit en passant, je dois avoir une vingtaine d'heures de jeu, je suis niveau 46 sur mon perso principal. J'ai toujours pas trouvé d'item légendaire, hein. J'ai pas encore fini le jeu, donc ça avance. Honnêtement, on avance sans trop se faire de mal. Hein. C'est pas trop compliqué, même si comme je joue sur mon main et sur une partie modée avec des mods qui augmentent la difficulté, même en normal, c'est un peu plus galère. Je vous expliquerai plus tard. Donc voilà. Hop, je pense que j'ai fait le tour du jeu. Les musiques sont plutôt sympas. Et puis hop, je vais passer sur la présentation des 4 classes de base du jeu. Allez hop, je vous retrouve tout de suite. Me revoilà. Alors, il y a dans ce jeu 4 classes, donc une de moins que dans Diablo 3. Je vais beaucoup faire de comparaison à Diablo 3 parce que c'est la référence du genre, en fait. C'est la référence du genre et il y a beaucoup de similitudes. Bon, et des différences quand même. Ce sont quand même deux jeux différents. Alors, 4 classes. Vous avez d'abord l'Amber Mage, donc le mage d'ambre. C'est le magot. Honnêtement, c'est le magot, il n'y a pas... Y a pas d'autre chose à dire, 3 arbres de spé, feu, foudre et glace. Ça me rappelle quelque chose, non? Peut-être le dernier Elder Scroll? Non, du tout. ensuite, vous avez le berserk. Berserk, hein, quoi, c'est le bourrin. Voilà, comme il le fait, c'est le bourrin. L'Outlander, donc lui c'est le flingueur, c'est tonton flingueur avec des fusils, des arcs, tout ça.
Et l'ingénieur, lui, c'est soit grosse masse, soit très gros canon à deux mains. Un gros canon. Voilà. Disponible en version féminine comme masculine, hein, toutes les classes. Bon, l'édition du perso, c'est... Ouais, pas très développé. Mais bon, à la limite, on s'en fiche un peu. Un gunslash, c'est pas fait pour regarder le skin du perso. À la limite, on peut regarder la... Vu que quand on équipe des items différents, la texture du corps change. On peut regarder ça, mais honnêtement, savoir s'il a une gueule de con ou pas, on s'en fiche un peu. Donc voilà, ce qu'on peut voir aussi ici, attendez, je vais faire un perso rapidement, je vais l'appeler, ben, Célandron, hop. Voilà. Ce qu'on a dans ce jeu qui est très important, c'est un pet. Tous les persos peuvent l'avoir. Voilà, il y en a plusieurs différentes. Moi j'ai pris pour mon perso principal, j'ai pris un panda, hein. On peut avoir pas mal de trucs, le loup, un papillon. C'est un chien ton papillon. Un furet. Une tête de crabe. Oui, non, il y a des trucs un peu bizarres. C'est bon, c'est sympa. Et surtout, ça a une. Un alpaca. Ça a une importance capitale parce que c'est ce qui vous permet. C'est dans les Diablos, il y avait le portail de retour en ville. Et dans le Diablo 3, il y a le moyen de retourner en ville, hein, rapidement. Ce qui vous permet de vendre vos objets et tout ça. Et ben, dans ce jeu, soit. Le pet est à vos côtés et combat avec vous. Soit vous pouvez l'envoyer acheter des items ou alors vendre vos items. Comme ça, vous n'avez jamais à rentrer à la maison. À chaque fois que votre inventaire est plein, vous l'envoyez, il part, il revient, il vous a ramené les items que vous avez demandé, c'est-à-dire les potions, tout ça. Et il a revendu les items que vous vouliez vous en séparer, genre les équipements, tout ça. Voilà. Ça vous permet de prendre de l'avance. Bon, bah. Je pense qu'on a tout vu au niveau de la présentation et puis on va se retrouver in-game sur un perso non modifié. Et je vous montrerai plus tard avec un perso modifié. Allez hop, je vous retrouve à tout de suite. Voilà, je vous retrouve. Alors, bah, je suis à la ville de l'acte 1. Donc comme dans les Diablos, il y a différentes villes qui changent en fonction des actes. D'ailleurs, je crois que comme j'ai pas fait les Diablos 1 et 2, je crois qu'il n'y a qu'une seule ville dans les 1 et 2. Mais dans le Diablo 3, il y en a plusieurs. À chaque fois qu'on change d'acte, il y a une ville différente. Donc, ça propose divers services, hein, évidemment, comme dans tous les hack and slash. Alors, c'est mon Amber Mage que j'avais fait avant de le passer en partie modée, vu qu'elles ont des sauvegardes différentes. Donc, je l'ai équipé avec un bâton à deux mains. Il a un drôle d'équipement. Il n'est pas trop mauvais, je crois. Honnêtement, j'ai pas trop prêté attention. Étant donné que bah, je l'ai passé rapidement sur les parties modées, j'ai pu toucher aux parties solo non modées. Donc voilà, il y a des techniques comme ça. Ça fait un peu rayon laser avec des boules de feu. On a la vie, la mana, la barre d'action. Il y en a beaucoup des trucs d'action. Honnêtement, je trouve ça plus pratique dans ce genre de jeu quand c'est épuré, il y a peu de touches à appuyer parce que là, franchement, c'est casse-pied. Donc, bah, je vais revenir à la ville. Vous avez divers services ici. Ça permet de reset les trois derniers points que vous avez fait au niveau des skills. Parce qu'évidemment, il y a un arbre de talent. Moi, j'ai mis en feu, hein. Frost et Storm. Hein. On voit c'est les trois arbres de talent de Umber Mage. Donc, ça permet de débloquer des techniques ou alors des skills passifs. Bon, très classique, très basique. On voit que j'ai de l'argent. Ça permet de. Ça, ce personnage permet de reset les trois derniers points que vous venez de mettre. Ici, vous avez les gemmes, enfin ceux qui permettent, lui par exemple, lui quand on lui met un objet qui est gemmé comme celui-là, on voit qu'il a une gemme dedans, avec un emplacement de gemme et il est gemmé. Si on le met ici et qu'on fait ça, il va récupérer la gemme mais détruire l'item. A l'inverse, lui, il détruit la gemme mais il récupère l'item. Ça dépend ce que vous voulez faire avec en fait, c'est tout. C'est un peu bizarre d'avoir fait ça comme ça, mais sinon ça va. Bon là, il y a les vendeurs, hein, classiques, qui vendent des objets. Honnêtement, ça sert à rien. Je préfère, ils servent juste à vendre. Hein. Hop, on vend les objets, c'est tout. Ah, on ne cherche pas plus loin. Ici, il y a les coffres, donc votre coffre principal, à vous. Pourquoi j'ai le pet inventory? Non, non, c'est tout. Parce que le pet a aussi un inventaire, hein, c'est ce qui vous permet de ranger les items, par exemple, si vous faites ça, hop. Bon, là ça le range dans le coffre. Mais si je fais ça, ça le range dans l'inventaire du pet. Qui même lui a un équipement. On voit dans le pet panel. Ici il y a trois emplacements d'équipement. Voilà. Hop, on va ranger.
Ici, bah, il y a comment ça s'appelle? Le coffre partagé. Le coffre partagé, c'est le coffre qui est partagé entre tous vos persos, comme dans le dernier Diablo. Vendeuse d'items, elle vend des potions, de la dynamite pour pêcher, parce qu'on peut pêcher. Et la pêche a un objectif un peu bizarre. On les trouve ici dans l'inventaire des consommables. Et on peut pêcher des poissons qui permettent de transformer le pet. Voilà, hop, j'ai donné un poisson un peu spécial et ça l'a transformé en un truc bizarre. Voilà. Il obtient des pendant quelques temps des actions différentes, une puissance différente, certains plus axés sur la défense, d'autres moins, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Ben non, je crois qu'on a fait le tour. On a le portail de téléportation qui se permet d'aller à d'autres points que. Voilà, c'est de la téléportation. Là, on a un point de pêche. Donc la pêche, c'est très facile, il y a une bulle. Voilà. Elle descend. Elle monte, elle descend. Voilà, et dès qu'on voit plus la bulle, on appuie et puis on récupère un poisson. Voilà. Donc il y a les quêtes, hein, forcément. Ici, j'ai pas fait la quête encore, donc hop, je referme. Et on va aller en combat. Ah, attendez, j'ai oublié de vous expliquer 2-3 trucs. Bon, ici, vous avez la barre de votre pet, mais à la limite, vous en foutez. Là, il y a la barre d'XP. Quand elle est pleine, vous montez de niveau, hein, évidemment. Là, la barre de réputation. Vous avez une barre de réputation, c'est un peu spécial. Quand vous montez. Tiens, c'est marrant. C'est pas ma barre d'XP au total, tiens. Ah si. Voilà, la barre de réputation elle est là. Je crois que c'est parce que quand je joue en modé, la barre de réputation pour moi elle est là aussi. La barre de réputation est ici. Quand vous êtes au bout, vous gagnez la réputation en faisant des quêtes ou en tuant des champions. Quand vous arrivez au bout, vous gagnez un point de compétence pour votre arbre de compétences. En montant de niveau, vous gagnez 5 points à dispenser dans ces 4 trucs différents, donc force, dextérité, focus et vitalité. Voilà, ça permet de changer vos stats. Vous en mettez 5, hein, vous pouvez en mettre 5 par niveau. Là, vous voyez que j'en ai 0 parce que j'ai pas monté de niveau il y a un bout de temps. Et vous gagnez aussi un point de skill. Donc en gros, quand vous montez de niveau, vous gagnez 5 points là-dessus et un point de skill. Quand vous montez de niveau de réputation, vous gagnez un point de skill. C'est tout. Donc là, il y a les quêtes, hein, c'est pas un panneau très important. Ici, vous avez vos statistiques d'arcade. Voilà. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour et on va aller taper un peu sur du mob. Donc c'est pas du tout le niveau que j'ai. On voyait sur la zone, il y avait écrit 3, je crois que c'était 3-8. Ah non, du coup, j'ai complètement fini cette zone. Bon, ok. Bon, on y retourne. Donc la Vestérienne. Allez, on va aller sur une zone qui est peut-être plus de mon niveau, du coup voilà, 12-13 et je suis niveau 14. Quoi avoir? Évidemment, ça se recharge pas, je crois qu'il y a moyen de recharger, je sais pas trop comment faire, mais les zones ne se rechargent pas automatiquement à chaque fois que je vous relancez. Voilà, on peut explorer des trucs, hein. Il y a même des coffres, là il y a plein de sous. C'est comme dans le dernier Diablo, quand vous courez au-dessus de l'argent, bah vous le ramassez directement, ça vous évite à cliquer. Sinon, on voit qu'en vert sont les objets rares. Là, j'ai obtenu un item non identifié, il est entouré de rouge. Si je fais clic droit dessus, hop, j'identifie. On voit que c'est un objet de 7, donc il y a ici 7. Et quand on obtient toutes les pièces, on peut avoir des bonus différents. Voilà. Voilà, donc il y a pas mal comment dire, de caractéristiques différentes pour chacun des items. Ils ont des niveaux requis pour équiper, ou alors des stats requises pour équiper, c'est-à-dire soit vous avez le niveau, par exemple ici ça requiert le niveau 9, soit vous avez 34 en dextérité. J'ai le niveau 9 donc je peux équiper, mais je crois que j'ai pas 34 en dextérité. Ouais, c'est ça, j'ai que 17 plus 4. Donc voilà, vous avez des requis, des prérequis pour équiper. Hop, on va avancer. Tiens, il y a un personnage que je voudrais bien vous montrer ici. C'est un enchanteur, vous mettez des items dedans. Voilà, celui-là j'ai déjà enchanté. Ça vous coûte de l'argent, mais vous pouvez ajouter des stats supplémentaires sur votre item. Attendez, je crois que je l'ai fait. Voilà, sans lui, je l'ai fait. J'ai ajouté 3 enchantements, 6% de Magic Find et 5% de Gold Find. Voilà. C'est aléatoire aussi. Vous pouvez désenchanter et enchanter. Ça vous coûte beaucoup, beaucoup de sous. L'argent dans ce jeu est très important. Allez, hop, on va avancer. Je vais essayer de vous trouver des montres pour vous montrer comment c'est dynamique.
Hop, c'est parti. Donc plus la map est grande, plus elle met du temps à charger. Je crois qu'à chaque fois que vous refaites une partie, elle se recharge quand vous avez fini le jeu et que vous commencez un New Game Plus, ça s'appelle. Honnêtement, j'ai pas encore vu ça. Mais... Et on verra bien. Voilà. Alors, il y a possibilité, comme dans le dernier tableau, je sais pas si c'était le cas dans les 1 et 2, il y a possibilité de faire des persos hardcore, c'est-à-dire avec une seule vie. Comme dans Minecraft, hein, une fois que vous mourrez, ben vous êtes mort, mort, et la partie est détruite. Alors, un endroit où se battre. Ah là. Alors, la zone qu'il y a comme ça veut dire qu'il y a un champion. Il y a un champion, voilà, hop. Alors, je maintiens Shift appuyé pour rester bloqué, sinon il va courir sur le mob. Sinon j'utilise comme ça, tac tac, ça le tue. Je crois qu'il faut que je tue tous les squelettes, voilà. Ils sortent du sol, il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai rajouté un mode qui permet d'en augmenter la densité. Je vous montrerai après. Voilà, il commence à monter, il y a des petits événements comme ça. Là on voit que là, quand je les aurai tous tués, je pense qu'il y a le champion qui va se réveiller alors qu'il est cloué au mur. Les flaques vertes comme ça, ce sont des flaques de poison. Certains ennemis ou coffres même piégés, quand on les tue, eh ben ils laissent des trucs comme ça. Là on voit qu'ils ont des boucliers, que je suis obligé de taper dessus pour pouvoir les détruire et leur faire des dégâts. Aïe. Ouais. Certains ennemis tapent à distance. Ça y est. Donc on voit il a une barre, il a une jauge violette. Alors j'ai d'autres techniques, par exemple celui-là, ça c'est un gros marteau de feu. Ou alors ça. Mais c'est un peu plus casse-pied parce que je les ai mis assez loin dans la barre. Voilà, on voit que j'ai obtenu de la fame, donc la réputation. Et c'est ça qui monte la barre de réputation qui est ici. Donc il a looté des objets. Il y a plein d'objets, il y a des potions, tout ça. Donc voilà, c'est assez dynamique, c'est sympathique. On voit que c'est un hack and slash. Hein. Je retrouve encore un mob. Alors vous basez beaucoup sur les potions, hein, que vous pouvez utiliser à l'aide d'un raccourci qui est ici. Pour moi c'est A. Donc, il suffit d'appuyer sur A et hop, ça vous active une des potions que vous avez dans votre inventaire. Et oula. Donc honnêtement, c'est pas bien compliqué là. Hein. Pas trop. Voilà, je suis gelé. Des fois, il y a un peu plus de mobs, par exemple comme ici. Ah, j'ai appuyé sur une potion. Voilà. Pas bien compliqué, il y a la mana qui remonte vite, hein, c'est rien que les slash. Tiens, il reste un. Boum. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour du jeu en mode normal. Alors, il y a possibilité de jouer en multijoueur en LAN ou en online. Il y a toute une gestion des serveurs, tout ça, vous pouvez jouer avec des amis, c'est très bien fait, c'est très bien fait. Et vous pouvez même jouer en multijoueur avec des mods si vos amis possèdent les mêmes mods. Donc et ben, je vais vous retrouver sur la section modée, qui est une zone de jeu différente. En fait, c'est le jeu est séparé en deux types de sauvegardes, les sauvegardes non modées et les sauvegardes modées. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça fait quand on est modé. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous retrouve. Cette fois-ci, regardez bien. Déjà, ça a changé. C'est Torchlight 2, Synergy Mode. Parce que j'ai mis un mode très important qui augmente la densité des monstres, rajoute de nouveaux monstres, rajoute des monstres élites en plus des monstres champions. Augmente la difficulté alors que c'est normal. Voilà, on voit ici les modes que j'ai utilisés. Hein. Les modes récemment installés, j'ai Endless Donjon. Donc le Synergy Mode et le Transmode de version 22, c'est Torchlight en français. On voit que ben, charger, reprendre, voilà, ça y est, c'est en français. Pas tout être en français du coup, parce que Transmode traduit le jeu originel en français, mais Synergy Mode rajoute des sets d'armure, des items, pas mal de trucs qui sont ben, du coup pas traduits en français. Regardez, on voit qu'il y a écrit Include Elite Monster, Hero Monster, Rare Dragon, un World Boss, Alternative Leveling Dungeon, Endgame Raid Dungeon, and 3 New Classes. Voilà, donc 3 nouvelles classes, le Paladin, le Warlock, qui sont bientôt ajoutés, et je crois qu'il y a le Nécromancien qui est directement ajouté à l'aide de Synergy Mode. Voilà.
Donc on voit que ça permet de rajouter plein de trucs. Steam s'en occupe facilement. On peut choisir au lancement du jeu, quand vous choisissez de jouer avec les modes, vous pouvez choisir de jouer avec tel ou tel mode. Mais du coup, certaines sauvegardes que vous utilisez sont obligées d'être utilisées avec certains modes. Par exemple, ici, je suis obligé de jouer avec Synergy Mode, du coup, pour pouvoir jouer avec ça. Voilà, donc on voit Célendron. Je suis un mage d'ambre, donc Lumber Mage, distingué, niveau 46, je suis sur le champ de bataille divisé, en normal, et j'ai été ajouté à des parties modifiées. En gros, je suis modé. Donc on va reprendre la partie, et là vous voyez, on peut choisir jouer à une partie en joueur, sur internet ou en LAN. Hop, un joueur. Donc bien sûr, sur internet ou en LAN, c'est-à-dire en multijoueur, les mobs sont plus puissants, ils ont plus de vie, tout ça. Une partie multijoueur. Les items sont instanciés, c'est-à-dire que vous ne voyez pas les mêmes items tomber au sol que votre copain ou copine qui joue avec vous. Un peu plus long à charger évidemment parce que c'est une plus grosse carte. Voilà. Oula. Donc on voit que c'est un Umber Mage mais avec des armes différentes. J'ai deux baguettes. Voilà. Toc. J'ai mon pet qui est toujours un panda, hein, évidemment, vu que j'ai simplement copié ma sauvegarde pour la mettre sur une partie modifiée. Voilà. Donc on voit ici, là, on voit la carte que j'ai mise comme ça, sinon il y a possibilité de la mettre en mini-carte. Mais j'ai mise comme ça, simplement. Donc je suis plus au niveau, on voit que j'ai été modé, vu que là j'ai une barre de fame qui était avant, qui était juste ici, et là c'était toute une barre d'XP. Il a explosé, hein. C'est marrant. Pourquoi j'ai que ça? Ah non non, c'est bon. J'ai cru que j'avais perdu des stats. Donc voilà, je suis bien plus équipé, c'est différent. Plus zoomé. Voilà. Donc on voit que c'est les parties modifiées, vu que là j'ai écrit Arc de Désolation qui est en français. Les monstres aussi sont écrits en français. On voit qu'il y a là, on peut voir leur vie dessous leur nom. Je crois qu'on pouvait pas le voir en mode normal. C'est plutôt pratique. Ça évite d'avoir juste une barre. C'est une trappe. Hop, vous voyez le coffre était piégé, il a éjecté de l'électricité. Bon, ça arrive de temps en temps. Donc voilà, c'est bien sympathique. Ça devient beaucoup plus dur. On voit que là il y a beaucoup plus de monstres. Alors que j'ai pas joué à ce niveau. Oula, à ce niveau-là, parce que là je suis dans l'acte 3. J'ai pas joué à ce niveau-là en partie normale. Mais je pense qu'il y a beaucoup moins de mobs. Aïe. On voit que c'est bien plus dynamique. Lui il est en vert. Parce que c'est un montre élite qui a été rajouté par le mode synergie. Voilà. Donc c'est un mode que je conseille à tous ceux qui veulent jouer à Torchlight ou qui jouent à Torchlight. C'est bien sympathique, ça rajoute du contenu, des quêtes, des classes, tout ça. J'ai pas tout testé, mais honnêtement, je suis en mode normal et c'est bien plus dur. Je meurs beaucoup plus qu'avant. C'est bien pratique, voilà. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bon. Je vais faire une série, bien sûr, je vais faire une série ou plusieurs en mode hardcore avec donc une seule vie. J'essayerai d'aller le plus loin possible dans le jeu avec une seule vie. Comme ça, je pourrais vous expliquer pas mal de trucs et vous verrez peut-être un peu mieux qu'avec cette présentation le contenu du jeu Torchlight. Voilà, attendez, j'ai évité de me faire tuer parce que eux, ils peuvent me one-shotter vu que je suis un. Bah, m'attire pas. Un mage. Et je prends vraiment beaucoup de dégâts, là. Vous voyez toute la vie qui descend, je suis obligé d'utiliser régulièrement beaucoup de potions. Bon par contre du coup, plus de mobs égale plus d'items. On peut activer un filtre qui permet d'afficher ou non certains items. Bon, c'est dans les paramètres. C'est affichage objet, voilà. Permet d'afficher le filtre d'affichage. Voilà, si vous voulez afficher l'or ou pas, si vous voulez afficher des objets normaux. Moi j'affiche tout parce que je prends tout histoire de tout vendre parce que les sous c'est important dans le jeu. J'ai pas un meuble. Ah si. Il court après une des invocations de mon pet. Ah, vous voyez là. Ça. Oula. Oula là. Je prends du très lourd. Allez, hop, viens là. Aïe, aïe. Donc on voit que ça fait super mal. Hein. Voilà. Je suis mort. Voilà, bon bah ça me permet de montrer la mort. Hein. Quand on ressuscite, on peut ressusciter directement sur votre position. Ça nous coûte beaucoup d'or, beaucoup de fame et beaucoup d'XP. On peut ressusciter en ville et ne rien perdre. Ou on peut ressusciter à l'entrée de la zone et perdre juste de l'or.
Moi, je suis pingre. Voilà. Donc, ben, du coup, je pense que je vous ai montré déjà pas mal du jeu et je vais éviter que vous spoiler plus, hein. Et ben, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura bien mis dans l'ambiance et que peut-être que vous l'achèterez. Je sais pas. Et ben, merci, merci beaucoup. Suivez-moi, @Celandron, sur Twitter pour ne rien louper de ce que je fais, de mes explications, tout ça. J'y suis actif. Je réponds à toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce que je fais. Et puis à la prochaine, salut à tous!